Nous sommes au Wapius. Ah ouais, bon, c'est moi là. Ça fait bien. Bon, Faye, à suivre.
Voilà. Naomi. Au revoir. Asa l'aime bien. Un petit commentaire, maman. Eh, tu as un essai. Tu as un balista. Voilà. Et ça, c'est un commentaire. Il y a un moment où tu as un peu de temps. 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 Vraiment. Maman, tu as un peu de temps. Ah, babi yoko bala. Amen. Ah, mama loba ne mingi de. Ah. Mama noko na zo azo luka akani la viso soni. Ah, osa sibolo na kin ba edi ya. Ah. Kika sibolo edi ya mala limete, edi ya mala zigda, edi ya mala kabe. Nazo ndamu na nuko trolo bati. Moi j'ai mangé ça déjà une fois. Voilà, donc Il y a un peu de temps. Ah ouais, mère, bon, mais le soba, c'est qu'elle est. Attends, on va aller. Maman, mate.
Marta Segunda. Délégation à Macas, papa. Dans ton amour, la famille. Non, on l'est la terre. Dans on l'est la non, ça te m'a trop, papa. Bien, là. Bah, bon, ça va en bas, sous, tu vois, t'as la beauté. Beauté, mon frère. Christelle, t'as oublié, yo. T'as oublié au 5 points. T'as oublié. T'as oublié. T'as oublié. On va venir. Mal on va venir. On va appeler ça goût la reine. Sephora. Reine Oye. Oye. Papa, regarde le bateau. Oh famille, ça va voir la reine et puis ça vous prête. Faillons de la bateau. Reine Oye. Oye. Reine Oye. Oye. Et il n'a pas bien. Papa, maintenant tout là, tu as quand même à côté de lui. On est apporté, moi tu as les pommes à côté de lui. On va vous demander. Ah ouais. Là, maman, maman la parisienne. Il y a là, mon sale sud. Babi, toi la dimissa. Babi, dimissa. Et pour bébé. Tu les as à l'eau. Hé. Ma casse était bien. Hé. Bien affilé. Et il n'y aura pas. Mais là, c'est un gros. Et il n'y aura pas. Tu les as au Yinda. Oh maman, maman, oh voit les oies salités de yeyo. Oh, oh, t'as voulu une flaque d'eau. Force, maman, force sauter. Non, c'est bon. La vie de la vie. Voilà. Voilà. C'est bien, mon âme. L'autre, les oies, fais-y moi. Je vais ça c'est les filles.
filles d'avenir. C'est les filles de demain. Ah, je vous parlais. Et demain, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a demain? Demain, on a quoi? Le mariage de qui? Laissez la voile par terre, ouais. Voilà. Comme ça, je vais prendre une photo. Vous deux là. Je veux avoir. Passez ton main, c'est bon d'aller la famille. Il y a des assises. Moto armé, gâté. Au capot. Tá lá, Godô? Pocô tá lá, então.
Ok. Restez là-bas parce qu'on va partir. Non, c'est pas grave, ça me laisse c'est là. Mais c'est pas grave, pas comme en église. Je suis là. Oh,
kia peti eloko tengi mertie E bongo kolo ya bema e tope si e nini Et des solitaires, ma mère a de la terre Ne plus de mon Dieu, ne plus soissé
accueillir la princesse de cet après-midi, la mariée, notre bien-aimée Mireille. Alléluia! Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini pour s'aimer toute la vie. Voici, c'est voici la télévision. Oh, my goodness.
ensemble. De deux plans. Chaque chose en son temps. Et quand nous venons de les accueillir, et maintenant nous allons passer pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela, bienvenue dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu pour intervenir. Lorsque je vais appeler notre papa, nous allons mettre les mots pour l'accueillir. Dieu est à tous les cas. Le sang de Dieu doit être honoré doublement. Amen. C'est pour cela que j'invite notre papa, pasteur, Lucien, de passer devant pour intervenir pour cet après-midi. Acclamons le Seigneur, notre ami. Est-ce qu'on peut se mettre un peu debout? Moi j'aime des gens qui sont des fous de Jésus. On peut être fou de ce monde, mais être fou du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On ne va pas vraiment trop parler parce que le temps nous cause des problèmes. Nous allons prendre le livre dans le livre de Marc, le chapitre 10. Nous allons le lire à la maison du verset 17 jusqu'au verset 28. Mais moi, je ne prends que le verset 28. C'était un jour où Christ se croise avec un jeune riche. Marc, chapitre 10. Le verset 17 jusqu'à verset 28. Mais le verset clé, c'est le verset 28. Qu'est-ce qui se passe avec un homme qui avait les moyens? Il se présente devant Jésus pour dire, Seigneur, je vais te suivre. Jésus a regardé cet homme et dit, oui, c'est bien de me suivre. Il dit, voilà, pour me suivre, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des principes. Jésus a commencé à citer le principe, cet homme a dit, Seigneur, tout ce que tu viens de dire, je l'ai fait. Avec orgueil. Il dit, je l'ai fait, je donne même plus par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Christ a dit, merci. Alors, comme tu le fais, il y a que une chose. Pour me suivre, il faut que tu retournes là où tu es sorti. Tu prends tout ce que tu as comme richesse. Vends, prends ton argent. Donne-le au pauvre. Cet homme, quand il a entendu cette parole, il est devenu triste. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit encore? Papa, tout à l'heure, il n'est pas malade. De me dire d'aller vendre le bien que j'ai lutté des années, des siècles pour en avoir. Et aujourd'hui, il me dit de le vendre, de le donner au pauvre, et pour que moi aussi je retourne pauvre. Ça ne peut pas se faire. C'est là que Christ a dit qu'il est difficile à un homme qui a les moyens d'entrer dans le royaume du ciel.
Et quand les apôtres ont entendu cette parole, ils disent, mais nous aussi, on avait les moyens. Pierre dit, mais moi aussi, j'avais des barques. Je faisais la pêche. Et alors, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Et alors, notre vie, ça deviendra comment? Les derniers temps, si c'était moi, j'allais me poser des questions. De suivre un homme qui n'a pas de maison, qui n'a pas de lit, un homme qui porte des sandales, un homme qui porte des soutans de blanc, qui n'a pas de marque. Mais Dieu a mis de nous des marques de cette soutane. Amen. Il dit, mais Seigneur, une dit, nous allons tout abandonner. Nous voulons te suivre. Alors notre vie, ça va devenir comment? C'est la question que moi et toi, nous nous posons toujours. Pourquoi je dois rester toujours à l'église? Pourquoi être toujours là à suivre le Seigneur? Et ma vie, ça va devenir quoi? Aujourd'hui, on se trompe. Amen. On peut aller au travail, on peut tout gagner des millions et des millions, mais ce n'est pas ça, la vie. Alléluia. La vie n'est que dans la parole de Dieu. La vie n'est qu'auprès de Jésus. Abandonner l'église, pour abandonner ta place, change ta vision aujourd'hui, ce soir. Si tu suis Jésus, tu deviendras une femme de valeur, une femme de distinction. Si tu suis Jésus, tu deviendras un homme de valeur. Or, j'aime beaucoup une femme qui est dans la Bible, il se nomme Salomé. C'est une femme qui a grandi dans la maison des rois. Ils ont fait des enfants. Mais cette femme a dit non, les voies que j'avais suivies avant n'étaient pas de Dieu. C'est là que j'étais malheureuse. Même que j'étais dans la maison du roi, il m'avait tout donné, mais la vie n'était pas en moi. Amen. Il dit, je me le ferai prier. À partir d'aujourd'hui, comme Dieu m'a donné des enfants, ces enfants, je vais les dédier au Seigneur. Amen. Amen. Un jour, elle se croit avec Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire que mes deux enfants, l'autre à gauche et l'autre à droite? Mais si je sillonne la vie des reines, le maman et le papa aujourd'hui, nous préférons que nos enfants aillent jouer au foot, soit disant qu'il va nous ramener des millions. Nous allons devenir des millionnaires. Mais nous ne voulons pas envoyer nos enfants à l'église. Mais cette femme dit, Seigneur, je veux que l'autre à gauche, l'autre à droite, pour te servir. C'est parce qu'elle avait compris quelque chose. Amen. Amen. Le nom de Pierre qui a posé la question, elle ne savait pas. Mais le jour qu'il passait, rien que l'homme a commencé à guérir. Pierre a dit, waouh, je ne savais pas que ma vie allait devenir ainsi. En suivant cet homme, je suis devenu un homme puissant. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu es un homme aimé. Tu es une femme heureuse. Amen. Amen. Quand tu as reconnu moi, Jésus, que je suis le Messie, tu es erré. Alléluia. Or, bien aimé, ne quitte pas le chemin que tu as choisi pour le Seigneur. Amen. Ne sors pas de ce chemin. En persévérant sur ce chemin, tu ne resteras que heureux et heureuse. Amen. Or, reste fidèle. Quand on te dit, viens, nous avons nuit de prière. Ceux qui passent des nuits dans les boîtes de nuit, quand ils sortent toujours chaos. Amen. Mais nous, quand nous dormons ici, quand nous sortons, nos vies changent. Alléluia. On rentre triste, mais on sort joyeux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. Alléluia. Oh, mais ce jour-là, laissez-moi te dire, mon frère, il a commencé à parler avec ses disciples. Il dit, si vous voulez me suivre, je vous donne quelques conditions. De manger mon corps et de boire mon sang. Alléluia. Amen. Ils se disent, mais c'est dur. C'est ce que nous disons. Quand on dit nous allons gêner, mais c'est dur, le pasteur aussi commence déjà à gêner. 10 jours.
Et quand Jésus a tourné la tête, tout le monde est parti. Amen. Il a vu Pierre et les autres, il dit, mais avez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Mais partir aussi, non? Mais la réponse de Pierre était, à qui irons-nous? Si ce n'est pas et à toi qui a la parole de vie. Amen. Alléluia. La parole de vie n'est qu'entre le nez et la bouche de Jésus. Alors si tu veux être erré ou erreuse, ne quitte pas ton chemin. Le chemin que tu as choisi, c'est un bon chemin. Reste là, viendra. Amen. Habakkuk le dit, attends, attends, il arrivera. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que tu vas l'attendre? En restant infidèle à Jésus. Le chemin de Jésus, c'est le bon chemin. Si nous n'allons pas quitter, la vie ne viendra pas à nous. Amen. Vous avez tant posé des questions entre vous deux. Pourquoi aller là-bas? Pourquoi rester fidèle? Peut-être qu'ils vont profiter sur mon pognon. Jésus ne profite à rien sur personne. Amen. Mais il ne donne que ce qu'il a. Restez fidèle. Votre vie changera encore de plus. Alléluia. Amen. Restez fidèle. Ce n'est pas pour rien que Christ vous a ramené auprès de l'homme pour dire que nous voulons nous marier. Mais l'heure de la solution est arrivée. Mais restez plus dehors. Prenez vos deux pieds, mettez-les dedans. Vous allez voir ce que Christ fera de vous. Alléluia. Prenez vos enfants. Ne cherchez pas que ta fille, qu'on puisse le voir à la télé, en train de danser pour profit. C'est la mort. Mais prends ta fille. Même s'il faut dormir à l'église, laisse-la. Alléluia. Elle ramènera la vie à la maison. Elle ramènera le bonheur à la maison. Salomé avait compris. Et ces jours-là, les deux fils, dans la barque avec leur papa, ils ont dit, papa, c'est fini. Nous avons tant péché. Mais tu n'as jamais donné la vie à nous, des enfants. Mais nous avons vu un homme qui va nous donner la vie. Reste avec tes barres. Reste avec tes poissons, nous partons auprès de cet homme. Il va nous donner de plus sur la terre et sur le royaume. Restons fidèles à l'Église. Restons fidèles auprès de Jésus. Il y a des fois pourquoi il ne servir Dieu, il faut à être toujours riche. Avoir des camions, des pavillons, des pommes. Amen. Il y a ceux qui ont fait des diplômes et des diplômes, des doctorats et des doctorats. Mais ne sont pas pareils à faire avec ceux qui ont resté à l'église, à l'école de généalogie, auprès du Seigneur. C'est des hommes de valeur. Alléluia. Même combat des diplômes. Même combat de bien, il te sera donné. Amen. Ils sont passés. Maintenant, quand on vient en Jésus, on voit que des choses nouvelles. Alléluia. La grâce qui est cachée dans ta vie s'ouvrira. Le don qu'il t'a donné se manifestera. C'est vrai que nous ne voulons pas quitter et suivre Jésus. Le don qui dort. Et l'ennemi commence à manigancer l'église de Jésus. Bien-aimé, si Dieu t'ouvre les yeux de voir le bien qu'il te propose et qui est spirituel, nous allons commencer à prier. Amen. Et si Dieu te donne un nœud, accepter de rester avec le péché. Amen. Parce que ça pue. Alléluia. Et j'aime un homme qui dit tout ce qui était de bien pour moi. Importance. Mais je vais rester avec Christ. Bien-aimé, reste avec Jésus. Je t'en supplie. Il est bon. Il est merveilleux. Il te chérit. Il t'aime. Reste avec lui. Abandonne un peu le monde. Il veut travailler avec toi.
il veut faire quelque chose avec toi. Tu es brillant. Tu es un homme magnifique. Une femme magnifique. Mais le fait seulement de rester ce côté-là, ça bloque tout ce qui pouvait rayonner dans ta vie. Mais je t'en supplie. Je t'aime encore plus. Et je veux que nous faisons, moi et toi, une équipe qui garde. Accroche-toi à Jésus. Tu seras le premier. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu es la tête. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu te poses des questions? Tu es la tête. Tu es. Amen. Que nous pouvons acclamer le roi de toi. Nous allons passer à notre cérémonie de mariage. Nous sommes là parce qu'il y a deux personnes qui se sont dit et ils ont pris une décision. Ils ont dit que non, nous avons bon marché vénéré dans notre mariage, mais on dirait que les séries ne nous connaissent pas. Non. Déjà, la première chose, c'est quand l'homme se déplace pour aller donner quelque chose à une famille, et demander et que la famille le donne, c'est ça le mariage que Dieu voit. Alléluia. Amen. Le véritable mariage, quand l'homme se lève, il part auprès d'un père et d'une mère pour dire que non, je vais prendre votre fille en mariage. Et que la famille accepte, on te le donne. C'est ça le mariage. Amen. Amen. Et ça reste qu'à venir encore auprès de l'Éternel, afin qu'ils puissent bénir. Amen. Parce que quand nous donnons l'argent auprès des parents, il y a certaines qui ne sont pas contents. Il y a certaines qui parlent même mal. Mais ils ont reçu quelque chose. Et c'est pour cela que nous venons encore auprès de Dieu pour que tout ce que le monde avait proclamé qu'il soit nul et sans effet. Amen. Toi qui es marié auprès de la famille, c'est bien. Mais cherche à venir d'abord à l'église. Alléluia. Et marche avec le couple. Alléluia. Et eux aussi, ils ont pris une décision, dit non, on va aller à l'église. Nous allons maintenant aller chercher la main de l'Éternel. Nous voulons maintenant devenir un couple nouveau et marcher avec Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont venu aujourd'hui parce qu'ils veulent maintenant marcher avec l'Éternel. Amen. Avec le prénom de Mati, qui est né le 3 août 1978 à Kinshasa, de père de Guy de Joseph et de la mère de Baoula Adèle. Il est travailleur, diplômé de la profession de maçonnerie, et c'est lui qui a pris l'initiative de dire à sa femme que non, comme je suis le chef, je te dis, on va aller maintenant auprès des hommes de Dieu. Amen. Mouteba Mireille, né le 24 janvier 1986 à Kinshasa, de père Mouteba Vincent et de la mère Ganda Marie, diplômée de la profession de ménage, elle aussi a dit, j'accepte mon mari, on y va. Comme tu es le chef, et tu m'aimes, et moi je veux me soumettre à toi. Alléluia. Ils ont dit, on y va à l'église. C'est l'homme qui a commencé à aimer. Amen. Parce que des fois, nous demandons à nos femmes, est-ce que tu m'aimes? Dieu n'a pas dit que la femme puisse aimer l'homme. Dieu a dit, la femme de se soumettre, mais l'homme d'aimer. Et quand l'homme aime, elle ramène la femme sur le bon chemin, le chemin de l'Éternel. Un bon chef. Nous, aujourd'hui, nous croyons que, comme Dieu a dit, l'homme est la tête ou le chef. Je dois commander, je ne fais rien à la maison, je rentre, tu as préparé, oh tu n'as pas préparé, coup de boule. Non, tu es le chef pour montrer le bon chemin. Alléluia. Et la femme de se soumettre pour que Dieu la transforme à une femme vertueuse. Amen. Une femme vertueuse qui fait que son mari puisse être élevé dans la ville de Rennes. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont consulté mon bien-aimé qui dit que papa,
nous voulons célébrer notre mariage à l'église. Et aujourd'hui, ils sont devant nous. Amen. Et comme ils sont là, je suis sûr qu'ils ont quelque chose qui bouillonne dans leur cœur pour parler, pour témoigner, pour dire auprès de l'église. Amen. Et c'est pour cela que nous allons les appeler. Quand nous allons les appeler, on doit se lever pour acclamer le Dieu des miracles. Amen. Nous n'avons pas Dieu beau. Tu peux te réunir, s'il te plaît. Maman Mireille, comment Dieu mène? Mais si tu vas rester encore à l'église, tu deviendras encore plus belle. Comme ça. Il n'y a aucune femme qui est belle comme ça. Quand il va prendre l'église, il reste ici. Il va rayonner. Amen. L'onction nous rend beau et belle. Il y a l'onction dans ce monde. Alléluia. Il y a l'onction dans ce monde. N'écoutez pas ce que Rennes vous dit. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je dis. Rennes, vous parlez beaucoup. Vous murmurez beaucoup. Et c'est ce qui pleure de votre bénédiction. L'homme de Dieu peut commettre des erreurs. Mais priez pour lui. Ne soyez pas là pour le critiquer. Il a besoin de vous pour le soutenir. Alléluia. Soyez comme des Caïn et des Josué. Moïse est fatigué. Non. Nous allons le dédier. Il en a besoin, cet homme. Des hommes et des femmes qui vont rester à côté de lui tenir quand il est fatigué. Amen. Au lieu de murmurer, de dire le fond de toi, c'est un homme de Dieu. Je ne lui flatte pas. Je ne peux pas lancer des éloges pour un homme de Dieu comme ça, non. Alors, maman Mireille, papa, votre place est là. Ce n'est pas que je flatter, mais je vous dis c'est bien. Dans des moments favorables, allez voir cet homme. Amen. Ne regardez pas son visage. Trop. Même si son visage ne vous plaît pas, ne vous plaise pas, vous voyez ce qui est dans son cœur. L'onction de Dieu pose ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut passer dans le monde? Parce que là, on voit des travers. Si vous pouvez passer devant pour que l'église vous voie. Les attraper. Aujourd'hui, au terme de Béthi, vous êtes bien présent. Alléluia. Est-ce que tu aimes moi? Bien. On va dire. Ok.
Mais aujourd'hui, ta façon de aimer l'homme doit changer. Amen. Tu as aimé de toi-même. Maintenant, commence à aimer ton mari à mélanger avec l'onction de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et l'homme aussi commence à aimer ta femme dans cette attitude de la prière. Parce qu'il y a des fois, quand on dit je t'aime, le diable rigole, il dit tu n'aimes pas. Parce que le diable veut nous voir aimer quand la prière et la parole est là. Ma femme vient, nous allons prier, je t'aime. Et Dieu, alléluia. Il y a des fois, tu n'étais pas un bon chef. Mais aujourd'hui, Dieu te donne cette autorité de chef. Les savoir conduire la maison, la femme et les enfants. Aujourd'hui, il reçoit son type d'onction du véritable chef que Dieu a établi. Si tu partais à gauche, maintenant prends le pied, rentre. Ne vois pas ce que tu es. La Bible nous dit, il prend des choses viles pour les faire des choses de valeur. Amen. Connaître ou pas, Dieu détruira. Moi, je connais des hommes qui n'ont pas étudié, même pas à l'école, mais ils prêchent la parole, ils lisent la Bible. Il est Dieu. Un Dieu qui est bizarre. Il t'enseigne. Amen. Papa, il y a l'école ici, non? Il faut le faire, papa. Il faut le faire. Tu es en train de perdre ta grâce. N'attends pas que Dieu t'envoie ceux qui ont des ailes, mais commence à prendre ceux qui n'ont rien. Fais-les des serviteurs. Tu as le talent, tu as la grâce. Amen, papa. Viens à l'école. Alléluia. Ma sœur, maintenant, l'air à soi. Tu vois cette femme qu'on appelle Élisabeth. Quand son mari s'est fatigué, elle dit, papa, mais c'est l'air d'aller. C'est une femme qui est restée fidèle à l'Église. Ce n'est pas pour avoir des enfants, mais elle avait compris que non, avec Dieu, les choses changeront. Elle est restée là. Mais puis tu es à la maison. C'est là. La Bible nous dit, il est agréable de frères et sœurs de venir ensemble. Et c'est là que l'Éternel est béni. Dans le livre des Actes, on nous dit, ils étaient là, là où ils demeuraient, à l'ordinaire, dans la parole et dans la lecture de la Bible. Demeurons dans ce livre. C'est un symbole pour nous montrer que non, nous avons scellé notre amour. Mais votre amour ne se scelle pas sur l'alliance. Amen. Parce qu'on peut me couper le doigt, l'alliance est tombée. Toi, voilà. J'ai pu maigrir parce que maman ne me donne pas la bonne soupe. Je maigris, l'alliance est tombée. J'ai vu des hommes et des femmes en sortant de l'église et dit, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est toi qui m'as intoxiqué d'aller voir ton pasteur pour me mettre ton alliance. Allez, poubelle. Mais pour vous, je sais qu'il n'y a personne qui a forcé l'homme. Vous avez accepté. Mais le vrai alliance, c'est là. Ok. Porte ta femme dans ton cœur et que ta femme te porte dans son cœur. C'est ça la véritable alliance. Le monde aujourd'hui n'a même plus peur de l'alliance. Les femmes du monde aujourd'hui aiment les hommes qui ont des alliances. Parce que c'est des mariés, ils supportent bien les femmes. Amen. Amen. Que non, si cet homme-là a l'alliance, c'est bon, je sais qu'il a des enfants, c'est un responsable. Mais le véritable alliance, c'est là. Alléluia. Amen. Si tu vas commencer à le porter dans ton cœur, c'est que la Bible nous dit, Dieu est devenu un. Papa, il est au travail, il pense que non, il faut que je mange les fumbas aujourd'hui.
Maman Mireille à la maison, elle prépare vous. C'est ça l'unité. Alléluia. Même pensée, même vision. Et c'est là que vous allez venir. Amen. Porte ton cœur, porte ton mari dans le cœur. Même comment c'est bêtise, deviens maintenant une intercesseur. Alléluia. Intercède pour lui. Elle a des faiblesses. Il en a. Des failles, ça ne manque pas. Mais ne commence pas à sonner la trompette. Rentre dans ta chambre. Parle à ton Dieu. C'est toi qui m'as donné cet homme. Papa change. Alléluia. Il changera. Papa, même comment c'est bêtise, c'est pas. Elle est ta femme. Alléluia. Elle prie pour ta femme. Ne va pas vite chez ton frère. Que je ne comprends plus Mireille. D'ailleurs, si ça va me venir comme ça, je préfère que ça se casse. Ça ne se cassera plus. Il y a des alliances, même lui-même Dieu ne les casse plus. Parce que vous avez voulu. Et Dieu n'est pas là. Amen. Aujourd'hui, vous devez quitter. Si maman Mireille, elle écoutait ses frères, ses cousins, ses cousines, aujourd'hui, tu vas commencer à écouter ton mari. Alléluia. Dieu nous dit de quitter. Papa aussi, tu dois quitter de s'occuper de ta femme. Dieu n'a pas dit qu'il t'attachera à ta sœur. Non, à ta femme. Ta sœur a son mari. S'il n'a pas de mari, donne-lui des roues pour le pain. Mais occupe-toi de ta femme. Alléluia. Parce qu'un jour, je parlais à mon père. Mon père me disait, mais toi, tu t'attaches toujours à ta femme. Je dis à mon père, mais papa, mais moi, je ne te comprends pas. Toi, tu as quitté l'Angola. Tu as laissé ta mère, ton père, à la guerre. Mais tu n'as plus que ta femme. Alors, toi, tu fais que moi, je m'attache à toi. Il fallait que tu l'amènes dans ta mère ou ton père. Mais tu n'as plus que ta femme. Je m'attache à ma femme. Elle est la plus belle femme du monde. Aujourd'hui, le diable aime comme ça. Il va maintenant, quand tu vas sortir, il va t'ouvrir les yeux. Le péril que tu vas voir sur la route. Le péril qu'il a maintenant, va chez les Pakistanais. Dit, je veux un bon péril que pour Mireille. Ok, papa. Oh, si ta femme a obligé de faire Rihanna, c'est ta femme. C'est ton problème. Elle veut. Fais-la plaisir. C'est ta femme. Ok, papa. Bon, Mireille. Dans les magasins, c'est le postal pour les hommes. Micro. Que non, mon mari, dimanche, je vais te voir avec une belle chemise. Il n'y a que toi qui peux faire de cet homme le plus beau homme du monde. Il n'y a pas un homme. Alléluia. Il n'y a que toi. Et si tu vas le faire le plus beau homme du monde, Dieu te bénit. Il te donnera encore plus. Amen. Alors, n'échouez pas avec ce que vous avez fait aujourd'hui. Prenez au sérieux. Et protège cette bénédiction. Sinon, vous allez la perdre. Amen. Alors, nous voulons voir les secrets que vous avez cachés. Que vous avez dit que non, nous allons sceller notre amour devant les hommes de Dieu. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Quand nous allons le voir, nous allons vous attendre. Je sais que tu es un bon homme de poème. Ta femme aussi, je le vois, je le sens. Elle va nous réciter des poèmes compliqués. Proclamez d'abord vous-même votre amour afin que nous puissions faire quelque chose pour la gloire de Jésus.
Est-ce que maman, on peut quand même donner une alliance à cet homme qui est beau devant nous? Alléluia. Alors nous voulons t'écouter. Je ne sais pas si vraiment tu aimes ou il aime. Je crois que depuis que tu l'as épousé, tu n'as jamais prononcé un mot français pour plaire à ta femme. Alors aujourd'hui, nous voulons l'écouter. Sois vraiment cet homme-là qui ne recule pas. Et non, chérie, non. Elle est là. Si tu peux aujourd'hui, célébrer votre amour. Dite, attends la langue là. Attends la langue là, tous les quatre. Micro, pasteur. Ouais, attends la langue là, tata. Où vous connaissez? Ma chérie Mireille.
racisme pour terminer notre programme. Yes. Ah. Alors, ce que je vais vous dire, vous avez dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Amen. Et la mort ne fait pas nous séparer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ceux qui ont accepté Jésus, ils auront la vie éternelle. La mort est sans effet. Alléluia. Vous allez continuer ensemble jusqu'au royaume pour adorer Dieu. Quel royaume nous sépare? Faut me dire, mort, où est ton aiguillon? Comment il va nous séparer? La mort doit être Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais appeler mon pasteur. Cette confiance. Nous avons vu des parrains et des marraines qui ont détruit des couples de couples. Mais qu'ils ne soient pas ainsi pour vous. Amen. Soyez vraiment rentrés au milieu. Amenez-les pour qu'ils soient vraiment réconciliés. Et nous avons dit que non, tu sais, mais Amadis ceci. Non. Mais soyez vraiment des pas. Et Dieu vous donnera. Et ça ne sera pas le premier. Ça continuera. Vous allez avoir encore beaucoup qui vont vous appeler à dire que non, vous êtes exemplaires. Et ce que vous allez faire au milieu de cet homme et de cette femme. Amen. Demandez à Dieu. Il nous dit, vous qui n'avez pas la sagesse, demandez que vous le donnez. Ce que vous avez accepté, c'est quelque chose de lourd et ça pèse. Mais si Jésus est avec vous, ça sera un truc léger. Alléluia. Donnez-les des conseils qui sont importants pour les bénédictions, prospérité et avancement et victoire. Amen. Il y a ici qui savent que vous demandez de le faire. Et soyez vraiment des bons parents, des bons. Famille qui aime Jésus pour donner aussi aux autres ce qu'ils ont. Amen. Alors, je sais que mon pasteur a un mot à dire dans toutes ces choses. Au nom de l'Église, est-ce que je veux. Gros pasteur. Nous voulons seulement vous dire. Les choix que vous venez de faire, c'est le meilleur choix à défendre. Demain, quelle que soit la tempête, quel que soit les vents, parce que ça va venir, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, fixez seulement vos regards vers Jésus. La vie que vous avez vécue hier, ce ne sera pas la même. Là, j'ai dit cela en guise d'expérience. Parce que moi-même, je vis comment ma vie a changé après la bénédiction du ciel. Je sais, oh, et puis j'ai compris une chose que derrière ça, Dieu vraiment à cacher des secrets, surtout en ce qui concerne les émissions. C'est pour cela, dès aujourd'hui, ne vous souvenez plus des événements passés. Alléluia. Regardons devant et avancez. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Et Dieu vous bénisse. Avant que les hommes de Dieu puissent prier, j'appellerai tous nos bien-aimés qui sont présents dans la salle de se mettre debout. Nous allons prier pour cette époque. Moi, je le dis tous les jours, si tu sais que ton Dieu
n'est pas comme mon Dieu. Un Dieu qui ne bénit pas, ne prie pas. Amen. Si tu ne demandes pas les bénédictions pour les hommes, ne prie pas. Parce que Dieu va te frapper. Alléluia. Mais nous voulons ceux qui bénissent les hommes. Alors, après cette chanson que nos bien-aimés nous avons nous donné, et c'est là que nous allons prier avec la chanson de gloire. Souvenez-vous, l'agneau est sous.
Ils se sont mariés spirituellement, physiquement. Mon Dieu est mon sauveur qui dit, la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Père bien-aimé, le ciel est ouvert dans cette alliance, Père, parce que tu as dit à Abraham, je jure. Oh Dieu, quand toi tu jures, bien-aimé, personne ne peut s'opposer de cela. Aujourd'hui, je le déclare comme femme, comme mari et femme, comme les gens qui sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré devant tous. Bien-aimé, je détruis la sorcellerie. Je détruis la magie. Je détruis l'occultisme. Je détruis les fétiches. Tout ce qui est du monde et du ténèbre n'ont pas l'autorité ni les droits sur cette couple et leurs enfants. Tu as dit à Moïse, j'enverrai mon ange au devant de toi. Laisse que l'ange de Dieu soit avec eux. Dans la nuit comme dans la journée. Parce que tu es le Dieu qui a connu Israël. Oh Dieu, tu étais la colonne de feu. Tu étais aussi la nuée de la gloire. Tu es le même Dieu. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit que tu es le Dieu de l'Amen. Aujourd'hui, nous venons, Père bien-aimé, célébrer le Dieu de l'Amen. C'est lui qui est l'accomplissement de toutes les choses. Oh Dieu, mon Père céleste, tu as dit dans ta parole que la liste conjugale soit exemptée de toutes souillures. Oh Dieu, je le déclare saint dans leur union. Oh Dieu, Père bien-aimé, tout ce qui était comme un lien des maris de nuit, femmes de nuit est tombé aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, oh roi de gloire, merci pour ces moments bénis, ces moments solennels, ces moments cruciaux où le ciel est en train de descendre pour les unir, oh Dieu. Ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mes expressions, mais c'est l'accomplissement de ta parole. Car personne ne peut, oh Dieu, détourner ta parole, ni changer cela. Parce que tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ainsi, oh Dieu, accomplis cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Jésus. Il faut les plus, Seigneur, mon Dieu, pour voir. Merci beaucoup. Père, nous, étant que humains, nous pouvons les voir bien. Mais dans la réalité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, spirituellement, sont devenus que un. Que le Saint-Esprit soit leur partage. Nuit et jour, comme tu es en train de conduire l'un, qui soit sur les mêmes pour l'autre. Nous qui sommes là, Seigneur mon Dieu, mon roi, à un esprit d'équipe, Seigneur, pour grandir, pour former, pour bâtir, Seigneur mon Dieu, mon roi, une muraille. Que cette muraille, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est devant le monde des ténèbres, que nous venons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de bâtir, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, comme protecteur. Et je déclare, Seigneur, oh Dieu, devant l'Église et devant les âmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est lui qui osera, Seigneur mon Dieu, pour pénétrer, pour toucher cette famille. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, mort. Quand tu as dit ta parole, ce que toi tu gardes, personne ne peut toucher. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, mon roi, je les déclare par le nom de Jésus, intouchable. Si hier nous avions célébré le mariage et que ce mariage-là a échoué, mais cette fois-ci, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, je déclare la victoire de ce mariage par le nom de Jésus. Mais tu es Dieu. Tu ne joues pas et tu ne joueras jamais. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as fait dans ces couples. Par le nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Et bien fait, papa.
le Dieu de miracles. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce que tu as dit. Tu as dit, Seigneur, nous prierons. C'est nos enfants. Et les miracles sont pères. Envoie ces enfants t'es honoré. Les enfants, Seigneur, t'ont glorifié. Les enfants t'ont exalté. À respecter l'institution que tu as établie depuis le ciel, que qui est le mariage. Grand roi, j'appelle tes bénédictions. J'appelle tes bénédictions. Que les portes s'ouvrent. Ce qui était fermé, je les proclame ouverts dans le nom de Jésus. Père, là où il y avait des échecs, j'appelle la réussite. Là où il y avait des défaites, j'appelle la victoire. Là où il y avait des problèmes, j'appelle la solution. Là où il y avait, Seigneur, des soucis, j'appelle la joie. Seigneur, que ton sang commence à couler dans leur corps, dans leurs veines, que ton sang commence à couler dans leur maison, tout ce qui leur appartient, qu'ils soient sanctifiés au nom de Jésus. Je brise tous les liens, papa, familiaux, qu'ils soient pris les enfants. Donne, papa, à vos deux l'autorité, le pouvoir de savoir se lever et briser ce qui n'est pas de toi. J'appelle la sainteté, la sanctification, la crainte de ton nom au milieu d'eux. Et que la parole rentre, la vie de prière s'élève et qu'il soit ressuscité dans le nom de Jésus. Papa, que ton onction royale commence à couler dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, en sortant de cette maison, qu'il soit béni. 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 Yeah.
Maître, t'as la voix. Quelle classe t'es préparé? Quelle classe t'es préparé? Alléluia. Mère, mère, si ma est dans mon congo, azaya yo. Voilà. Voilà, papa, il peut accompagner dans mon congo. À mon congo, là. Aussi ici au tali caméra au tiki kabi qui bon au tali bango voilà voilà c'est bon avant que je puisse la libérer je veux plutôt on va venir le passer papa du ciel de venir aussi signer le libérer. C'est bon. Merci papa. Hein? Ah, non, là, là. Alléluia. Voilà maintenant. Ils sont à vous. Amen. Si tu as ton cadeau, ramène les cadeaux. Si tu veux leur donner des bisous, donne des bisous. Alléluia. C'est pour cela. Il a aussi préparé un cadeau pour vous. Amen. Hein? C'est pour cela, avant que nos mamans de l'église puissent nous apporter les cadeaux, nous allons faire seulement une prière pour clôturer une fois et plus. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Merci parce que tu étais au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Père de cette cérémonie. Père, nous allons encore continuer notre mariage, Seigneur mon Dieu, pour la nuit. Nous voulons que toi seul, tu puisses, Seigneur mon Dieu, pour contrôler toutes choses. Qu'il n'y ait pas des accidents, qu'il n'y ait pas des désordres, Seigneur, au grand Dieu. Que ta main puissante puisse protéger, garder chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, à des horizons différents. Il y a nos bien-aimés qui sont venus dans des pays, Seigneur mon Dieu, mon roi, étrangers. Et maintenant, Seigneur, nous sommes là, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ces couples. C'est cela, grand Dieu, je confie tout à toi et à toi seul. Merci pour le retour de chacun de nous. Merci pour la bénédiction que tu avais déversée dans la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de toute personne qui était présente dans cette salle. Que ta main puissante, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta mère. Que le Seigneur s'ouvre, Seigneur mon Dieu, à notre faveur. Que tout ce que le diable peut mal danser, qu'il soit loué et admiré par le nom de Jésus. Merci pour la journée de mai, car tu vas nous réunir encore, Seigneur mon Dieu, enseigner pour glorifier ton nom. Que tout soit pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur de tout ce que nous avions demandé, que nous n'avons pas pu demander. Mais toi, tu es un Dieu qui agit au-delà de tout ce que nous demandons. Merci pour le reste de la nuit, par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Envoyez la chanson de cadeau, alléluia, et rentrez dans la paix du Seigneur.
Alléluia. Papa m'a dit. Cheers.